c'est Lance Barouleur, j'espère que vous allez bien. Opening un peu particulier, c'est pas des songes, mais ce sont des coffres de la cour sombre, tout simplement des coffres que tu peux avoir à Srambad. Je suis avec Slice, salut à toi. Yo. 1000 coffres. Alors je vous avais fait une vidéo pour les avoir. Il faut en gros faire une quête, ensuite dropper des crochets rouillés sur les mobs, crafter un rossignol, et avec ce rossignol vous pouvez ouvrir des planques, et dans cette planque vous pouvez obtenir des coffres ou vous faire TP en prison à Srambad. Donc il y a 1000 coffres à ouvrir, il y en a 500 ici et 500 en banque parce que j'ai pas assez de pods. Alors corrige-moi si je me trompe, mais je crois que tu peux avoir du coup toutes les ressources de la zone, y compris le magouille qui est la ressource du mob présent uniquement dans le donjon, plus les ressources graines des voleurs. Ouais, pour les ressources graines des voleurs, je sais pas, mais magouille, c'est sûr. Ouais. Ok, ok. Donc on va se mettre en mode piano, les refs. J'avais fait un opening comme ça sur ombre où les crânes de magouille coûtent très cher. C'est quoi les prix un peu ici? C'est quoi qu'il faut focus? C'est quoi qui coûte cher un peu? À mon avis, je pense c'est épaulière de bourreliste qui vaut le plus cher. C'est quoi à peu près le prix? C'est 3000. Ok. Donc je vais vous mettre comme ça. Ah, je sais pas, les ressources, c'est 10 max. Je crois pas que tu peux dépasser 10, mais le minimum, je sais pas c'est combien, c'est 1, c'est quoi? C'est 1, je pense, 1 ou 2. Ok, ouais, on a 2 ici. Donc, je fais quelques openings comme ça, en rapide, histoire de voir un peu ce qu'on drop. Et comme ça, on va voir les prix. Donc, t'as fait ça comment? T'as fait ça avec un perso en attendant, tu faisais de la FM, tu faisais quoi? Tu t'occupais comment? En vrai, j'ai pris un perso level 60, comme ça, j'ai l'autopiloté. Ok, ouais. Et juste, en fait, si tu fais une rota parfaite entre les maisons, ça pop à chaque fois que t'arrives sur la map, quoi. Ok, ok, propre, donc, ouais, entre la zone classique de Srambad, parce qu'il y a deux zones à Srambad, il y a la zone village et la zone classique. Donc, t'enchaînais les deux zones, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Et dès que tu te faisais, dès que ça te foutait en prison, tu faisais quoi? Je lançais le combat avec. Tu suicides? Comment elle s'appelle là? Ouais, c'est ça, et je suicide. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris un level 60. T'es pas sur ombre, donc c'est vrai que Osef. Ok, donc t'as esquivé tous les combats, juste t'étais là pour la rentabilité max. Donc je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. Épaulière de bourreliste, 4000 kamanités. Chouchou de doublure, 1100. 3600 les pièges, pas mal. Ça, 1000 kamas. Et ça, 1600 kamas. Ok. Donc normalement, moi, il me semble qu'on peut avoir les ressources de la reine des voleurs dedans, mais je crois que c'est vraiment rare. Donc on va spammer. On va spammer un petit peu. Il y a moyen que ça fasse bugger le jeu. Mais ça, dommage que t'es pas sur ombre. Hein. Un crâne de bagouille sur ombre, c'est combien les refs? 150 000, 200 000, je crois? Là, t'aurais fait ça sur ombre, chef. Autant, hein. T'aurais été bing. Bon, là, tu vois, je clique plus. Dofus a pris trop de clics d'un coup. Ah, c'est bon, ça s'est arrêté. Donc, niveau rentabilité, t'es déjà à quoi? 2M2. Ah, tu vas te mettre bien niveau ressources. Tu comptes à faire quoi des ressources? Des petits crafts? Tu vas faire quoi avec? Je suis en train de faire des chasses gain en même temps. Donc, ok, ouais, d'accord. Craft les items. Petit item gain, etc. Mais moi, il semblait vraiment qu'on pouvait avoir des ressources reines. Hein. Les ressources reines, c'était, je crois qu'on m'a dit, une chance sur 200. Il y a 1000 coffres, on va bien dropper. Lich avait fait 100 coffres, je pense, mais à la sortie de la mage, et il avait rien eu. Ah ouais, bah là, toujours pas. Ok, on va tout ouvrir, de toute façon, ça va prendre un petit moment. En vrai, ça va, hein, quand tu mets partout et tu fais du piano, ça se passe assez vite. Ouais, classique. Hein. Ah, ce serait triste de pas en avoir, en vrai. Si jamais il y a une broderie de la reine sur la vidéo, je vous fais gagner un petit DM. Voilà, c'est dit. On m'a dit qu'on pouvait, je crois que c'était une chance sur 200 sur 300, il y a 1000 coffres quand même. Ah, c'est le moment de savoir, hein. Comme ça on sait s'il y a moyen ou pas. Hein. Et t'as pris combien de temps à faire tout ça à peu près, tu penses? Je sais pas, parce que j'ai pas fait tout d'un coup. Ouais, tu faisais ça quand t'avais le temps, etc. Ouais, c'est ça, exact. Ok, bon, attends. Pour l'instant, je suis obligé de mettre la ressource en banque. T'inquiète pas, y'a que de la merde dans la banque, je vais pas te scam. C'est faux, je vais complètement le scam. Il va jamais retrouver ses ressources, mais lui dites pas. Allez, de la reine des voleurs, là. Mon ref. Ah, je suis en stream, merde. Ouais, je pense que. Ah, le con. Ça sort d'où ces loots. Du coup, je vous l'ai dit, en gros, faut faire une petite quête à Srambad. En faisant cette quête, ça va faire que sur les mobs. D'ailleurs, c'est une quête que je vous conseille de vraiment faire. Parce qu'en gros, juste en faisant cette quête, après sur tous les mobs de Srambad, juste les mobs zone, pas dans les donjons, tu vas dropper des crochets rouillés. Ça peut déjà de une se recycler, ça peut faire des kamas, etc. Avec ces crochets rouillés, t'as un craft qui s'appelle les rossignols. Et en gros, après, j'en ai fait une vidéo, mais les rossignols, ça sert à ouvrir des portes qui s'ouvrent toutes les 5 minutes. T'as genre. T'as combien de portes Srambad? 5, 6 dans la zone 200 1, 2... Ouais, 5, je pense. Hein. Ouais, je pense 5 ou 6. Et en gros, dans les maisons que tu braques, bah il y a ces coffres. Au level de la quête, c'est la première zone Srambad, donc c'est level 110, genre un truc comme ça. Ouais, c'est pas très dur, franchement. Ok, attends, alors peut-être des ressources de la reine. Ah, voilà, il y a des broderies de la reine. Une broderie. Non, je dois vous faire gagner 10 millions, j'ai trop la haine. Pour une ressource à 21 000 kamas. Bon, dans la vidéo. Non, pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Je me suis dit, 500 coffres, il n'y en a pas eu, je suis safe. Oh, mes couilles. Merde. Bah, au moins maintenant, on sait, tu vois. Maintenant, ouais, par contre, c'est quoi les probabilités? En 700 coffres, une broderie. C'est une folie, quand même. Bon, les refs, sur la vidéo, un petit 10 millions cash à gagner. Petit like, petit commentaire, petit abonnement, il y aura 10 millions à gagner. Ah, j'ai le seum, quand.
pour une broderie. Et est-ce que tu peux en avoir une ou est-ce que tu peux en avoir 10? Soit t'as vraiment eu 0-0 luck, ou soit tu peux juste en avoir qu'une, quoi. À mon avis, c'est une, hein. Oh, le scam. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Alors, du coup, c'était soit que des 10 millions, c'est ça? C'est ce qu'on a dit avant la vidéo. Ouais, vas-y, t'inquiète. C'est moi qui ralasse, mais c'est sur Elmina alors. Let's go! Non, non, t'inquiète, t'inquiète, j'ai des cabas à faire gagner partout. Que je leur fasse gagner. Une seule, hein, vraiment, on me l'a donné juste pour me. Juste pour me scam. Pour dire qu'elle existe. Ouais. Du coup, ça existe, mais le ref, c'est une chance sur 1000 là pour l'instant. Une chance sur 1000, la folie. Mais ça, à l'époque, c'était farmé de fou, hein. À l'époque, y'a personne qui connaissait cette strat. Et tu sais, à l'époque du Prime Reine des voleurs, genre un item Reine des voleurs, c'était genre 50 000. Enfin 50 millions, autant pour moi. Le chapeau gain par reine, c'était le prime de fou à l'époque. Moi je faisais ça, je me mettais trop bien. Ok. Bon, bah t'as eu, on va dire, bah, en vrai 14 millions de ressources, parce que de toute façon sur 500 coffres, ça va être la même. Ok, 14 millions de ressources, une seule broderie de la reine des voleurs. Et on va dire quoi, 1400 à 1500 ressources de chaque. Un peu moins de crâne de magouille, quand même, les crânes de magouille, on voit que c'est, ça doit être... Tu dois en dropper deux fois moins que le reste. Je sais pas, il sait pas combien de temps investi, tu sais, il faisait ça de temps en temps, il se connectait, il faisait d'autres choses, il faisait un petit peu ça. C'est pas un truc que tu focus comme ça. Mais je pense pas que ça s'est déjà fait des ouvertures de 1000 coffres. 1000, j'ai pas vu, non. Mais en vrai, non, c'est clean, j'aime bien. N'hésitez pas à faire ça sur Ombre, les refs, le prix, là, ça aurait été un milliard, je pense, sur Ombre. Rien que un crâne de magouille sur Ombre, c'est genre 150 000, 200 000. Bon, par contre, fais pas comme lui, ne suicide pas le combat si t'es sur Ombre. Sinon, ça risque d'être problématique. Dans tous les cas, j'ai déjà fait une vidéo sur les quêtes à faire pour avoir ces coffres, etc. Mais voilà, ça fait une petite vidéo chill, en toute détente. Ouais, on voit, c'est clean, hein. Clean de fou. Une petite ouverture coffre songe, peut-être, plus tard. Non, songe, j'avais fait avant, mais... Ah, c'est pas ton kiff? Ouais, non, maintenant, c'est mort. Bah vas-y, beau gosse, merci à toi pour la petite ouverture. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les refs, comme d'habitude. Petit like, petit commentaire. Vous avez 10 millions cash à gagner, j'ai trop la haine. C'est Alas Baroudeur. A plus, tout le monde. Ouais, mon gars, c'est le dernier des Baroudeurs. J'espère que ça va. Juste deux secondes, mon ref, je te prends une minute, pas plus. J'allais dire deux, mais je vais pas abuser. Une minute, pas plus. Qu'est-ce que c'est? Point exclamation, Oli, tu connais. Petit partenariat, ça fait 2 ans, c'est banger. Qu'est-ce que c'est? Boisson énergisante sans sucre avec des bonnes vitamines. Ice tea sans sucre. Boisson pour sport. Si des mecs qui font du vélo, bam, t'as une petite chrome. Tu bois ta petite boisson, t'es bien. Je te présente. Tu connais déjà, t'as vu un milliard de pubs sur ma chaîne YouTube. Fais pas genre, tu connais pas. Si tu veux tester, qu'est-ce qui se passe? Pack découvert. 14 échantillons, tu testes 14 saveurs, tu vois ce que t'aimes bien. Tu peux tester les goûts énergisants. Tu peux tester les iced tea, tu peux tester les boissons pour sport. Ensuite, si t'es un mec chaud, tu veux directement un gros pot comme tout ce que j'ai derrière moi. Il y a un tout nouveau qui est sorti, c'est celui-là, mon ref. Orange, citron, noix de coco. Je le jure que c'est banger. Ensuite, baie sauvage, pareil, un des derniers goûts qui est sorti. Tout est là, tout est testé. Et moi, celui-là, il est lourd. Celui-là, il n'y a plus rien, il est vide. Si tu veux, mon ref, t'as un code moins 5 euros sur ta première commande et un code moins 10% pour toutes tes prochaines commandes. Ça régale. Vous savez très bien, ça me soutient. C'est bon si t'as gros boisson énergisante de base, boisson sucrée, tu passes sur ça, c'est 10 fois meilleur, 10 fois moins cher pour 34 balles. Avec mon code, ça t'en vient à 34 balles. Ça te dure entre 2 à 4 mois. Sachant qu'un shaker d'un demi-litre, qui ressemble à peu près à ça, ils sont beaux gosses en plus, les shakers, ça te revient à 60 centimes. Et en plus, ils sont solides, get ça. Il est même revenu à moi. C'est des shakers magiques. Ils reviennent à vous. Pas une égratignure. Rien. Banger les refs. Commandez.